Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. Et aujourd'hui, on va essayer de contenter celle qui n'est pas vraiment un dragon, mais qui ressemble quand même fortement. Puisque tout simplement, j'ai suffisamment progressé dans la zone des côtes de Crystal Chute pour pouvoir, eh bien, tout simplement, m'en sortir. Et tout simplement, parce qu'en fait... Eh ben, il ne faut pas 60 farfelins, il faut lui ramener 60 fois de la bouffe, tout simplement. Et normalement, j'ai suffisamment nettoyé pour qu'on puisse retrouver tout ça pendant cet épisode. Après, il reste des monstres, hein, forcément, mais ici, il y a un petit truc à bulles. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ils chopent le truc à bulle et ils vont aller les ramener. On va tranquillement en profiter pour ramasser un petit peu de poubelle, un petit peu de soin. Ça coûte rien. Donc pendant qu'on y est, on le fait. Par ici, j'ai dégagé également le chemin. Vous allez me faire ça, vous allez me faire ça. Il me faut des piclins pour ici. Ok, il n'y avait rien dedans. Et je vois ici un tas. On les envoie dessus. Et je prends les piclins pour le cristal. Donc il n'y avait rien non plus. Par ici, on a l'air pas mal également. Ici, reste-t-il des piclins? Ah, seulement 4. Seulement 4. Ça va probablement pas être assez. Non. On va les récupérer. Ceux qui sont là-bas. C'est pas très loin. Ah oui, vous restez là. On est déjà à 20. Ce qui est très bien. J'ai déjà fait le tiers. Donc. Quelques piclins qu'on va lancer sur le tonneau. Et vous me videz ça. Il n'y a rien d'autre pour nous. Donc tout va bien. On va pouvoir récupérer nos copains. Parfait. Je vais quand même vérifier. Non, ça ne nous amène pas à un endroit. Avec ce qu'on cherche. Donc on va continuer à récupérer cette petite pomme. Par ici, on a tout pris. Par là. Vous pouvez se glisser là, ça n'a pas forcément grand intérêt. Ici, il y a peut-être des choses à faire. Vous allez où si vous faites buller? Vous allez là, il n'y a rien à faire, vous redescendez. Bien. Ici, on libère le passage. Alors, bien. Ces choses là qu'on va casser.
Il y a des champignons, et ça tombe bien, parce que en off, j'ai un peu avancé les chasses, et j'ai une chasse aux champignons. Ah! Salaud! Oh mon dieu! Ah, oui. Je crois que j'ai oublié de me refaire des tirelires. Ça veut dire qu'il nous perd effectivement de l'argent. Ah, les gars! Vous l'avez tué? Vous l'avez tué. On aura perdu deux farfelins. Tant pis pour nous. C'est un peu le souci, je trouve, du jeu. C'est qu'on est obligé d'avoir tous les types de farfelins. Mais que si, puis par inadvertance, on envoie un type de farfelin qu'on voulait pas. Ouais, ça a l'air sympa ce truc. Eh bien, tout simplement, on l'a un peu dans l'os. Ok, donc il y a des champignons. Malheureusement, il y a encore la nuit. Je vais aller récupérer. Non, c'est pas une vraie canette à récupérer, c'est. Ah oui, j'en ai qui sont là. Et j'en ai qui sont là. Parfait, on est à la moitié. Non, mais... pas les idiots. On va attaquer ces champignons. Ils sont velus, les champignons. Oui, je veux... Non, mais... ah, c'est... j'ai aussi beaucoup de mal. Je sais que j'oublie les toniques. Assez régulièrement. Putain, mais oui, je savais bien qu'il en restait un. Et du coup, on perd du monde inutilement. Je vais utiliser la bouilloire. Et je pense que ça va être la dernière chose qu'on va faire en se calant bien fort contre la lumière. Faut pas oublier de taper cette bouilloire. Ok, ça nous a libéré un trou pour Kirby. Eh bien, tout simplement, je vais me mettre à l'abri. Et je vous reprends tout de suite dès qu'on sera le matin. Et nous revoilà du coup dans la côte de Crystal Chutes et du coup bah, en pleine journée. On va aller affronter cette créature. Les champignons sont bien partis. On a un petit peu de loot ici. Est-ce que je peux marcher? Je peux pas marcher. Hein. Il faudrait que je trouve un moyen d'y aller. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette créature. Elle a une putain de vie. Hop. Le tonique. Complètement mal lancé. J'aurais pu reprendre un petit peu de tonique en passant. C'est pas grave, on a terrassé la créature. Et on a eu plein de loot. Et il y a les trucs à bulles. C'est parfait ça, c'est ce qu'on cherche. Et du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ici, je dois pouvoir. Non, on n'a pas l'air de bouger des masses. On va prendre Wake. Ah, c'est ça l'astuce.
le laisser là et on va voir ce qu'on peut faire. Ah non, mais je voulais le laisser là, pas là. Non, Wake. Tu restes là. Et Kirby, tu l'évites. Ça permet de le faire monter. Ah, l'idée, c'est peut-être de y aller avec des farfelins. Réfléchissons. Bah, je vois pas. Je vais. Attends, vous allez faire ça. Et ça. Pourquoi tu cours partout, toi? Et moi, je vais aller voir ce que je peux faire là-dedans. Ah, voilà. Une chose plus intéressante. Ok, ça explique que j'ai besoin de farfelins. Il y a des jolies choses dans cette eau. Je vois une licorne. Ok, donc l'idée c'est que je mets mes farfelins et qu'ils vont me revenir. Par contre, du coup, j'ai pas vu l'intérêt des bulles. Est-ce qu'elles étaient là juste pour nous embêter ou pas? Normalement, j'ai pas tout le monde, hein. Il doit y en avoir une dizaine qui est partie. J'en ai que 38. Ok, j'en ai qui sont restés coincés par là. Et j'en ai qui sont restés coincés par là. Dis donc. Autant essayer d'avoir un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu fous là, mon gars? On a dit qu'on en avait. Oui, par ici, coincé comme des débiles. Et par ici, coincé comme des débiles. Voilà. Et du coup, il doit rester les 10 qui sont au niveau du dragon. Donc on en met autant qu'on peut. Visiblement, autant qu'on peut, c'est ça. Et on fait monter. On switch, on prend Kirby. Et on les récupère. Donc on va pouvoir casser ça ici. Récupérer une page du livre. Et libérer le chat. De petits cœurs. Du coup, ça avait que cet intérêt-là, si je comprends bien. Ce qui est déjà très intéressant. Hein. Ça veut dire que ça va pas nous permettre d'accéder à cette partie-là avec cette licorne. Donc, on redescend tout le monde. On redescend Kirby. Et on peut pas marcher sur l'eau. Non. Pas aller sur. Pas encore. Et du coup, ça m'a absolument pas ouvert ce coffre. Oui, effectivement, je suis absolument pas allé voir le coffre. Qu'est-ce que je peux faire pour le coffre? Je crois que les farfelins peuvent pas l'ouvrir le coffre. Essayer tout de suite. Ouais, il faut que ce soit un humain qui l'ouvre ce coffre.
Et je vois pas le moyen de passer. Donc on a un coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Il va falloir faire descendre le niveau de l'eau de manière globale. Mais je pense que là déjà on a fait pas mal. Donc par ici, on a dit à part ces bulles, juste pour intérêt, je vais vérifier. Oui, elles ont juste pour intérêt de nous faire monter les farfelins. On va essayer de pas en perdre trop. Voilà. Et on va essayer de continuer. Voir ce qui nous reste. Donc de ce côté-là, je crois que c'est la fin de la map. Non, même pas. Si, c'est la fin de la map. Alors, de ce côté-là, on a par contre ici. Oh bah, on a des blobs déjà, on va essayer de s'en faire. Non, vous en fuyez pas, c'est un blob qui fait des bébés blobs. Voilà, et de 1. Allez. Et de 2. C'est parfait. La nuit est en train de tomber et on n'a absolument pas fini notre histoire. On va monter ici. Et je pense qu'en montant ici, je dois pouvoir les envoyer là-bas. Ceux qui sont un peu débiles et qui sont restés coincés. Mais les autres, ça le fait. C'est parfait. Et on va les accompagner, tout simplement. Surtout que j'ai oublié de faire le plein de veilleuses. Ça aurait été bien de faire le plein. Donc on va être à 50, si tout va bien. 50 sur 60, il ne restera plus qu'un pot, un paquet, un tas. Et ça y est, la nuit est tombée. Oh là là. Vous êtes pas trop loin. Vous êtes juste là, tout va bien. On va rester ici. Et tout simplement, je vais passer la nuit en off. Et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, la nuit est passée. Bien à l'abri contre le dragon. Et on va aller chercher le reste, ce qui nous manque, et qui est au sud de la zone. Puisqu'on l'a vu dans le précédent épisode, c'était... Il y a des champignons, je trouve pas fini ma chasse, moi, aux champignons. Donc... Voilà. C'était par ici. Voilà, par là. Si je sais compter, il devrait être sur le dernier tas. C'est ça. Parce qu'on a 10 farfelins qui portent. En profiter pour les accompagner tranquillement en lootant des trucs.
On est en pleine journée, donc il n'y a aucun risque. À part les créatures qu'il peut y avoir sur le chemin. Non, il n'y avait rien dans ce cristal. Un petit peu de graines. Et on va être bon. On va contenter notre ami. Oh non, cette odeur. Qu'ai-je accepté de faire? On dirait que c'est la dernière huître. Retournons voir Kat avant qu'elle ne change d'avis. Ben, on est déjà devant Kat. Bonjour Kat! Cette odeur est terrible, franchement infâme. Ah, bien, finis-nous ensemble. Je m'éloignerais si j'étais vous, ça va être désagréable. Ben, éloignons-nous. Waouh! C'est une boule à facettes? Oh, splendide! Elle brille tellement! Regardez comme la lumière jaillit! Elle est couverte de vomi. Votre vomi! Elle ne vous a pas tout de suite empoisonné? Je suppose que c'est vrai. Je me sens presque larmoyante maintenant. Je vous implore de me débarrasser de cette chose ignoble. Mais je me sens moins misérable. Mon humeur s'est améliorée aussi, je dois avouer. Je suppose que je dois vous remercier tous les deux. Je suis sûre que vous êtes contents. En fait, oui. Félicitations, alors. Je suppose que je vous dois toute ma gratitude. Et le niveau de l'eau baisse. Ce qui est une bonne chose. On va pouvoir récupérer notre artefact. Et regardez, la tempête se calme. Les inondations refont. Vous devriez pouvoir poursuivre votre chemin et aller là où il ne veut clairement pas que vous alliez. Je vous demande de vénérer ce lieu, si vous le pouvez. Oh, pas de soucis. Merci. Maintenant, mon humeur s'est peut-être améliorée, mais je dois vous demander de partir. Mon canal alimentaire requiert du répit. Revenez, je vous prie, d'ici un jour. J'ai une proposition à vous faire. Revenir d'ici un jour. Est-ce que je vais m'en souvenir qu'il faut venir d'ici un jour? Parce que je me connais, hein. Chobiti, tête de linotte. On va aller récupérer notre artefact. Eh bien, allons-y. Cristalliser un petit point de sauvegarde, un petit peu de loot, une page du livre, et je vous promets que quand on aura toutes les pages du livre, on le lira ensemble. C'est quand même le but. Alors, il y a un cristal à casser ici et un cristal à casser là. Un petit peu de loot, il n'y avait rien derrière, ok. T'es tout seul à casser ça, toi. Hop, un petit peu de loot, une petite caisse à ouvrir.
Pourquoi vous tenez des trucs, les copains? Je suis pas encore plein, je crois pas. C'est pas la peine de tout tenir. Alors, on va envoyer Kirby là. Bah oui, soyez pas cons, restez pas dans le... Ah putain. Bien sûr qu'il y a du jamais. Vous me laissez pas le temps de l'enlever. Ils vont pouvoir casser tout plein de choses à casser. Nous, on va pouvoir ouvrir le coffre et trouver la baguette cœur racine. Un rameau de l'arbre primordial de cœur racine qui serait le premier arbre à l'origine de tous les autres arbres sur Terre. La baguette a des propriétés puissantes comme manipuler la nature, revigorer des arbres morts et faire pousser de nouvelles branches. Et c'est un des artefacts de Verga perdu. Et de deux, on y est presque. C'est le second artefact. Il ne reste plus qu'un à proximité de l'endroit indiqué sur votre carte. Vous y êtes presque. Il reste plein de choses à casser. On va avoir encore un petit peu de loot. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal amélioré mon sac à dos. Ce qui me permet de... tout simplement stocker plus de choses. Et d'avoir du coup moins de farfelins qui portent des trucs inutiles. C'est quand même ce qu'on leur demande aussi, hein, de porter des trucs. Alors que c'est pas forcément le délire. Ok, donc on a tout looté. Il reste ça. Il n'y a pas de petit endroit caché. J'en vois pas en tout cas. On va pouvoir aller voir. J'ai bien envie d'aller voir, vu que le niveau de l'eau a baissé, si on peut récupérer cette licorne. Je vais switcher, je vais prendre Wake, qui a un peu plus de vie. L'IA fait quand même plus gaffe que moi à la vie des gens. Donc voilà. On était par ici, on a des champignons à champignonner. Du coup, c'est parfait, ça a baissé, donc on peut ouvrir le coffre. Ce qui est exactement ce qu'on voulait. Et du coup, par ici, qu'est-ce qu'on a? Un gros bidon tout moche, tout moisi. Ici, il y a un coffre, mais on peut pas grimper. Un petit peu de loot. Ah, saloperie de... Non, il me faut les... comme ça. Allez, on y va. On va en perdre quelques-uns, on en a déjà perdu un. Ça va, un seul, ça va. Ah, du coup, on a trouvé la petite graine. C'est parfait, on va pouvoir avoir un coffre. Vous pouvez revenir, les gars. Voilà, 54 sur 54, on a tout le monde. Et on a une licorne. Allez. Emmenez-moi cette licorne. Je vais m'occuper du coffre. Et avec un peu de sève, c'est cool.
La sève, c'est ce qui nous permet de nous améliorer notre sac à dos, notre aspirateur et notre lanterne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je vois pas de chat. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas l'appeler, Kitier. Je profitais d'être ici pour récupérer encore un petit peu de loot. On va s'arrêter dès que cette licorne sera partie au bosquet. Et voilà. Et du coup, Tad Ferraille nous dit « Livraison au musée reçue !» Je serai prêt à l'exposer la prochaine fois que vous me rendrez visite au bosquet. Et il y a encore de la place. Donc on doit continuer à lui envoyer des reliques. Eh bien, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a réussi à trouver le deuxième artefact. C'est super cool. Et je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.